petit vlogmas. Et Molly, on est dans le vlogmas numéro 4. Un bon 4 décembre, la petite gang. Aujourd'hui, c'est un petit vlog en mou. Oh, je vais fermer ça. Un petit vlog slow motion mou. J'allais pas vous filmer, mais je me suis dit, regarde, on va passer le mois de décembre ensemble. Donc, il va y avoir des petits moments festifs et extra énergie, comme je suis dans la vie de tous les jours. Mais il va y avoir des moments plus slow, puis il va y avoir des moments où est-ce que je file moins bien, ou peut-être pas. Là. Tu sais, c'est vraiment rare que je file pas. Là. Je parle comme si que... il y a un truc qui m'a passé dessus, là, mais pas vraiment. Mais un petit peu. c'est juste que pour les nouveaux, peut-être ici, j'ai la scoliose. C'est genre comme quand t'as la colonne comme vertébrale croche en bon français. Et moi, elle est une bonne colonne, t'sais, une bonne colonne croche. Un beau petit serpent, tu sais. Puis, il y a des jours où ça va moins bien. Tu sais, c'est genre un mal chronique. J'ai tout le temps mal, mais moi, je suis habituée avec ce mal-là. So, je suis vraiment tolérante, puis j'haïs me lamenter. So, tu sais, le trois quarts du temps que je vlog, ben, je suis pas le trois quarts du temps que je vlog, j'ai mal. C'est, je veux dire, comme, j'ai tout le temps mal. So, moi, je sais pas vraiment si j'ai mal. Je sais pas. So, si vous avez un mal chronique, j'imagine, vous savez peut-être que je veux dire, c'est comme... c'est genre, c'est dans moi, tu sais, j'apprends à vivre avec, puis je fais mes affaires, puis tout ça. Mais il y a des journées, c'est genre comme, oh, un petit mal vraiment plus. Puis aujourd'hui, quand je me suis levée pour aller à l'école, j'étais comme, oh, no, I can do this. So, je me suis écoutée, puis j'ai appelé pour dire que je pouvais pas aller. Puis, c'est ça, donc je suis en mode mollo aujourd'hui. Donc, je me suis dit que ça allait peut-être pouvoir faire un petit message, hein, de genre, tu sais, dans la vie de tous les jours, des fois, on prend pas le temps de s'écouter, puis ça peut être dans n'importe quelle situation. Donc, je me suis dit que c'était un beau petit message du mois de décembre, hein. Le mois de décembre, c'est genre un mois go, 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 on veut tout faire, on veut comme être au max, en profiter. Mais genre, faut apprendre que des fois, c'est normal, genre, de se calmer, puis de prendre des moments pour nous. Donc, je me suis dit que ça allait être un petit vlogmas tout calme, tout reposant. Puis genre un petit comme self-care day. So, comme on va se faire du bien. On va faire des petites choses. Probablement prendre un petit bain ce soir. Donc, j'allais vous dire on fera ça ensemble. Non, je vous invite pas dans mon bain. Là. Et si j'avais une grosse piscine fonctionnelle, peut-être on pourrait faire un gros party dans la piscine. Mais non, c'est ça. Donc, ce matin, on a vraiment pris ça mollo. Francis, le lundi, put se permettre d'aller un petit peu plus tard au travail. Donc, c'était trop plaisant. On a profité pour relaxer, moi, mon bébé, puis Molly dans le lit. Puis, Marie m'a envoyé des photos du photoshoot d'hier. Et je peux pas vous dire à quel point j'ai pleuré ce matin. Donc, c'était un petit peu de mal de dos, un petit peu de Marie, c'était juste une larme. Puis Molly était couchée sous moi, genre, puis elle lichait mes larmes. Comme les chiens, genre, réalisent tellement à quel point que quand on va pas, hein, ça leur pogne par en dedans. Genre, elle voulait être comme full, comme gentille, on dirait. Puis là, comme gardez-les, elle est au bout de sa vie. Elle est juste couchée là, elle fait du doigt, toute calme. Et donc, c'est ça, je vais en profiter pour écouter Selling Sunset. J'ai pas pris le temps depuis que c'est sorti et je capote ma vie. Et j'ai écouté le premier épisode, puis genre, non, moi, I'm living for this. Genre, je sais que c'est comme du gros drama, mais moi, ça me fait mourir, c'est genre... assez un gros drama que comme ça fait pas d'allure. Genre Christine là, avec sa sacoche en chaise. Je sais pas si vous l'avez écouté là, mais non. Donc je vais probablement être dans cette position là pas mal toute la journée. Et ça va juste me donner vraiment une occasion pour de rien faire. Parce que des fois, même quand j'ai comme une moins bonne journée niveau d'eau, je me pousse pareil puis je veux jamais genre arrêter. Puis on s'entend que ma manufacture de samedi de biscuits, ça n'a pas aidé. C'était une grosse journée.
Je parle comme si, genre, j'ai 95 ans, mais regarde, c'est ça qui se passe. Et en parlant, là, vous l'avez déjà vu, là, le vlog Miss 2. J'espère que vous avez aimé mon petit voice-over. J'étais assez déprimée, mais genre, pas déprimante. J'ai été déprimée 2 secondes. Puis là, après, j'étais comme, regarde, si ben rien, tu sais. Ça arrive pas de l'année, ça arrive au Vlogmas. Mon micro, genre, était comme semi-pas dans le trou, là, tu sais, ma petite moumoute de poil. Elle était comme pas pluguée, genre, dans ma caméra. Donc, of course, mon son n'a pas fonctionné. Puis il y a plein de petits bouts, genre, avec mes amis qu'on parlait, qui a pas fonctionné non plus. Mais c'est pas grave, j'ai réussi à faire quelque chose de cute pareil. Je suis vraiment contente d'avoir gardé des petits souvenirs. Puis, c'est ça. Donc là, à chaque fois que je vais parler à la caméra, je vais m'assurer que la petite moumoute de poil est bien rentrée dans le fond. Donc, c'est ça. Je me suis préparé une grosse gourde d'eau. Puis, j'ai mon iPad juste là. Je suis assez nounoune, là, comme... J'ai une grosse télé, là. Comme... Allô, merci. Ma grosse télé. Puis, j'écoute Selling Sunset sur mon iPad. Je sais pas pourquoi. On dirait, je trouve ça cosy que comme mon écran est petit. Puis en arrière-plan, je peux avoir un film de Noël qui joue. Je sais pas d'allure. Donc, c'est ça. Donc, si vous voulez avoir une petite journée cosy, toute calme, self-care, je vous invite à rester avec moi. Puis, c'est ça, là. Ça sera pas un vlog à monter dans les plafonds, là, tellement c'est excitant. Mais je me suis dit, garde, c'est les beaux et les moins beaux côtés. Puis, c'est normal de prendre le temps de relaxer, puis je vous le conseille aussi. Donc, c'est ça. Moi, je m'en vais écouter Selling Sunset. À tantôt! Mentioned something about energy and spirituality. Oh my god! This is for you. This is a little something. So I hope you like it. It has been super protective to me, and I'm just sharing that with you. You are. Ma mémé faisait sa livraison de biscuits aujourd'hui. Des petits biscuits à trous, là, tu sais. Attends, je vais vous montrer. Non, non. Elle a mis les mêmes collants qu'il y a dans sa douche. Si vous avez écouté mon blog, c'est numéro 1. Oh! Là, donc, je vous reviens. Ma mère m'avait appelé. Mais c'est ça. Donc, si vous avez écouté mon blog, c'est numéro 1, je vous fais un petit house tour de la salle de bain à ma mémé, là. Mais oui, puis à chaque Noël, elle nous fait ça à toutes les petites filles, là, genre à mes cousines. Là, on m'a acheté une boîte de toffifee. Ça, c'est assez bon. Ça, je mange juste ça dans le temps de Noël. Puis, ces fameux biscuits à peach, mémé, elle a fait ça, ma chérie. Elle a fait comme ça. Des beaux petits biscuits de mémé, hein. So, je vais en goûter. Et ça va faire ma petite collation de l'après-midi. Oh, j'en mange, mais de tout, je mange d'autres desserts. Bon, en tout cas, regarde, c'est pas grave. It's self-care day. Et je suis censée manger un dessert pas mal excitant avec vous pour faire un petit taste test. Mon bébé a dit qu'il allait aller me chercher ça. Donc, j'ai hâte de voir tantôt s'il en reste. Mais pour l'instant, je vais manger des beaux petits biscuits au sucre. Avec un bon thé à la canne-croquante, mon préféré pendant le temps des fêtes. Et je vais aller continuer Selling Sunset. Genre, je capote. Salut! On se retrouve quand même plus tard. Il est 7h30.
Puis, je vous ai pas beaucoup parlé aujourd'hui. C'est vraiment une belle petite journée calme. Ça fait du bien. Mon dos va quand même vraiment mieux. Je marche lentement. J'irai pas courir un marathon, mais disons que je cours pas de marathon d'avance. Donc, c'est ça. J'ai décidé de prendre une autre journée demain pour juste m'assurer genre que mon dos est comme plus enflammé, là, puis comme le guérir. Ben, pas le guérir, là, parce qu'il est pas guéri, mais je veux dire comme pour qu'il soit vraiment correct. Mieux pour le reste de la semaine. Donc c'est ça, je me suis mis non dispo pour demain. Puis là, je vais aller prendre un bain chaud, relaxer dans de la bonne petite mousse, lire un livre. Je vais prendre une petite pause de Selling Sunset. Je suis pas capable d'arrêter. Et si vous avez jamais écouté ça, là, c'est une série sur Netflix. Je pense que vous pouvez l'écouter en français aussi. Là. Puis c'est genre... une gang de femmes, ben il y a des hommes aussi là, Jason puis Brett, c'est deux jumeaux, mais genre c'est des femmes qui vendent des maisons à genre je sais pas comment de millions, puis ça y va par là, donc c'est juste du gros drama. Puis là, si vous êtes rendu à la quatrième saison, là, c'est le bébé à Christine. Puis genre, moi, quand j'ai vu qu'il y avait une slot, comme un paresseux, genre, à son baby shower, là, elle m'a acheté à table. Cette femme-là va me faire mourir ses outfits. Genre, je pensais juste à moi, là, qui était comme raide de même aujourd'hui, là. Puis je m'imaginais, genre, avoir accouché, puis comme me promener en haut talon haut de même. Puis ses outfits... de Louis Vuitton, puis de... Non, non. Elle fait pas d'allure. J'adore. J'adore ce show-là. La musique, comme là, ils viennent d'avoir un puppy party. C'est comme c'était la fête à deux de leurs chiens. Donc, ils ont fait genre un gros party comme que on n'aura jamais, là, tu sais, dans la vie. Ça n'avait aucun sens. Ça avait aucun sens. Il y avait une table, genre, de dessert, de manger, tout ça, genre, bout de temps, comme pour les chiens. Je vais mourir. Puis, c'est ça mon père. Je sais pas qu'est-ce que Molly a à soi. Elle gratte une partie du sofa. Mais genre, elle a jamais fait ça. Là. C'est comme si qu'il y a une traite qui a tombé. Elle gratte, gratte, gratte. Mais c'est parce qu'elle va défendre le sofa, la petite chum. Mais c'est ça. Donc, mon papa, c'est pitché aujourd'hui. C'est le vlog des petits cadeaux de manger. Et mon... cet après-midi, c'était ma mémère. Puis là, mon père arrivait de travailler, puis il travaillait genre dans le bout de Moncton. Puis il a été à Chediac, puis dans un dépanneur, il a trouvé Bezos pour Molly, donc je lui ai donné la moitié. Pitché. Puis il a arrêté pour moi au Adorable Chocolat. C'est une chocolaterie à Chediac, donc ils font assez des bonnes choses. Puis il m'a acheté la plus cute petite boîte de macarons. Genre à quel point ils sont beaux, c'est sûr qu'ils sont bons. Puis ils ont de l'air genre d'être faits là, hein, parce que c'est tout écrit chez Diac, Adorable Chocolat, ça doit être vraiment eux qui les font. Doit vraiment être noum. Donc je sais pas si ça se garde longtemps, mais je sais pas, peut-être je les mets au frigo. En tout cas, je vais regarder c'est quoi comme la conservation, puis ça ferait comme des beaux petits macarons pour le temps des fêtes. Oh, là, Molly joue avec son petit sapin. T'es trop belle, mon amour! Ben oui, t'es belle! Elle est assez cute aujourd'hui. On s'est accolé toute la journée, c'est assez le fun. Hein? Et là, je vous avais dit que j'avais un petit taste test à faire avec vous. Je me suis dit que ça allait être notre activité palpitante de la journée. J'attends ce moment avec impatience et mon bébé m'a fait un cadeau. Il a été me chercher les petites Timbits! Les petites Timbits de Bieber. So, c'est pour ça qu'ils disent Timbits. Ça me fait mourir. Donc, c'est ça. Donc, le beau petit Justin Bieber a fait une collab avec Tim parce que, on s'entend, c'est un petit gars de Toronto. Donc, il y a le Tim droit au cœur. Et c'est ça, donc il a fait trois sortes de Timbits. Il y a aussi genre un sac banane, une tuque, puis un tote bag, là, genre un sac recyclable. Ben comme moi, c'était ça, m'importait pas vraiment. Je voulais juste goûter les Timbits pour le fun. Là.
Et ouais, donc si vous saviez pas, quand j'étais jeune, j'avais un amour inconditionnel pour Bieber. Je suis allée le voir à maintes et maintes reprises et moi et mon ami, on n'avait pas de bout. Genre, ça avait fait des lunettes. En tout cas, je vous ai déjà parlé de ça. Mais ouais, Bieber va toujours avoir une place spéciale dans mon cœur. Hein. Mais là, il a sorti une chanson de Noël l'autre jour, puis j'avais comme l'impression qu'il allait sortir un album de Noël. Fait qu'on. Bieber, si t'écoutes ça là, tu vas écouter ça, hein? Tout le monde écoute les blogamines. Donc Bieber, I need your album now. Like ASAP. ASAP. Genre Noël arrive là. On est déjà au quatrième blogmas là. It's time. It's the most wonderful time. Donc j'apprécierais que tu sortes ton album. Là que t'as sorti tes Tim Beats, tu peux sortir ton album de Noël. Merci. Mais pour vrai, si vous l'avez pas entendu, c'est... Rockin' Around the Christmas Tree. Ouais, je pense que c'est ça. Rockin' Around the Christmas Tree. Ok, oui. Version Bieber. Donc, sans plus tarder, je vais goûter ces petites merveilles. Il y a trois saveurs. C'est comme des saveurs toutes spéciales. Attends, je vais sortir les noms. Nous avons la première saveur. Gaufre au gâteau d'anniversaire. Et là, je pense que... C'est celle-là. Ouais, ça a l'air à ça. Donc, la voici, la voilà. Dans le fond, c'est des petites Timbits, mais genre comme 3D. Il y a des garnitures. Petites Timbibs et ses garnitures. Ça me fait penser à mon amie Anna. Anna, tu vas comprendre. Une fois, ben, je vais vous expliquer quand. Je peux pas vous dire une anecdote puis pas vous le dire. Et une fois, on avait été couché chez elle quand elle restait dans son appartement à Québec pour les études avec son copain, son amoureux. Regarde, vous avez compris. Puis il restait à Québec pour un bout pour les études. Puis on avait été la voir. On avait couché chez là. On avait couché chez eux. C'était-tu pour le fait ou. Après, on avait été chez notre ami Mathieu. En tout cas, on avait couché là pour une raison. Je pense que c'était pour le fait. Puis il y a un matin, genre, elle était. Notre amie Anna, là, elle est plainée. Elle aime savoir ce qu'elle fait, quand qu'elle fait. Puis, en tout cas, Sola, elle avait plainé les déjeuners. Puis là, elle a dit ce matin, elle a dit d'aller le choix. Elle s'est soit dit un déjeuner genre salé, œufs, bacon, tout ça. Ou elle a dit plus sucré, genre gruau et cette garniture. Et non, nous autres, on pouvait pas. On était crampés. On était crampés, puis on en rit encore. Donc, puis là, maintenant, on dit quelque chose et c'est garniture. Quelque chose et c'est garniture. C'est comme genre, c'est une blague qui a resté. Si vous voulez savoir. Donc, ici, Timbits et ses garnitures. Gaufre d'anniversaire, qu'est-ce que c'est? Gaufre au gâteau d'anniversaire. Ok. Mmh. Elle est vraiment bonne. C'est vraiment sucré, par exemple. Johnny, si t'écoutes ça, tu vas trouver ça sucré. C'est... Me semble qu'il y a les Timbits à l'anniversaire qui ressemblent à ça. Pour moi, c'est les mêmes Timbits, mais genre avec un enrobage. Moi, j'aime l'enrobage. Ça fait un petit peu l'enrobage. J'adore l'enrobage. C'est juste, c'est... Ça fait un petit crunch. Ça fait comme un petit... Ça fait spécial. J'aime vraiment. Après, on a chocolat et fudge blanc. Donc, tu sais, ça, c'est une Timbit au chocolat, là. On a ça ici. Moi, il y a la goutte. M'excuse, à chaque vlog, j'ai au moins dingue. Elle, je trouve que c'est elle qui goûte le plus. Comme elle a goûté le chocolat. En Robert, je goûte pas grand chose, on dirait. J'essaie rien de goûter comme qu'est-ce qu'il y a l'enrobage. C'est comme du croquant. Ça a juste des particules, genre de glaçage. Mais vraiment bonne si vous aimez les. T'as mis du chocolat. Non. Et
La dernière. En français, je pense qu'il y a mangé deux talons, mais je pense qu'il m'en reste une. La dernière, c'est moi j'aime beaucoup les timbits ou la crème sure, donc je vais bien les aimer. C'est crème sure et pépites de chocolat. On veut rien savoir. Ouais, il n'y a pas de pépites à l'intérieur. C'est vraiment l'extérieur. Mais très bonne. Ça goûte pas vraiment le chocolat. Mais taste test final. Ma préférée. Gaufre et gâteau de ferme. Gaufre au gâteau d'anniversaire. Ça tombe bien parce que y en a trois autres. Puis il en reste une au chocolat. Mon bébé aussi les a aimés. Puis, c'est ça qu'il a dit. Sa préférée aussi. C'était elle avec les petits gâteaux là. Bien contente d'avoir fait ça avec vous. Et dans les derniers vlogs, là, j'avais essayé de goûter le nouveau café de fête. Non, le nouveau gâteau. Le nouveau café de fête. Ouais. Des fêtes. Genre avoine et tout ça. Là. J'ai essayé genre trois reprises. Il n'y a pas une fois que ça a fonctionné. Genre une fois avec vous, c'était pas sorti. Une autre fois, je suis allée dans une autre team. Genre la machine à espresso fonctionnait pas. Puis une autre fois, je pense qu'il n'y avait pas de lait d'avoine ou quelque chose comme ça. Donc, je sais pas qu'est-ce que ça goûte. Tant mieux, c'est bon. J'ai aussi un besoin pressant d'aller à l'auberge. Je pense que j'ai pas encore goûté les drinks de Noël. Hein. Je suis certaine qu'ils sont bonnes comme à chaque année. Mais on va bien faire un petit taste test à un moment donné dans le vlog, miss. Mais c'est ça, moi j'adore tout ce qui est genre nouveauté du temps des fêtes. Hein. Je pense que vous commencez à me connaître. Mais c'est ça. Bien heureuse du résultat. J'adore. Là, je vais aller me caler une grande bouteille d'eau, par exemple. C'est sucré. Et là, je vais aller me couler mon bain. Je vais mettre de la petite mousse. Je vais me faire un petit skin scare. En passant, c'est ça mon ma routine de visage. Ben, j'ai pas une routine complète là parce que j'ai trois produits. Mais j'adore jusqu'à maintenant mes produits Omi. Puis là, mon bébé m'a commandé un cadeau de fête. Ça a ça, on est des grandes personnes. So, il a plus besoin de me faire des surprises pis ça là. So, t'es comme, il était comme, t'sais, commande des affaires puis il dit, tu sais quoi ce que c'est, puis en tout cas. So là, je me suis commandé sur leur site une crème de jour puis une crème de nuit. Donc j'ai hâte de voir ça, puis genre comme pour ma peau, comme adapté à ma peau. J'ai fait un petit quiz, puis à même, genre, je savais pas ça. On peut se prendre en photo, genre, puis ils peuvent analyser un peu ma peau. So là, ils vont me faire une crème de jour, genre, comme pour mes rougeurs, pour mes pores. En tout cas, tu peux cocher plein d'affaires. Je trouve ça trop nice. Donc, j'ai hâte de voir ça. Donc, avec mes deux crèmes, là, ma routine sera un petit peu plus complète. Puis, je pourrais continuer d'utiliser les autres choses que j'ai à la maison aussi, là. Mais j'ai bien hâte de voir. Donc, je vais aller prendre un petit bain avec ça, me faire une petite belle, une petite beauté. On dirait que j'ai perdu le souffle. Mais c'est ça, je pense que je vais aller prendre du petit moment. Je vais aller lire dans le bain, puis ça va faire du bien. Bon bain chaud, me semble, ça va être comme réconfortant. Et le reste de la soirée, ça va probablement être District 31, Selling Sunset, puis des petits vlogs peut-être. J'en ai une coupe à écouter avant de commencer le vlogmas des petits amis autour. Parce que oui, vous, vous êtes rendu au quatrième, mais genre moi, dans ma vie, je n'ai pas commencé encore. Comme, ils sont pas là, là. Ça arrive. J'ai vraiment, vraiment hâte d'ouvrir les calendriers de l'avant aussi. Puis moi, il va en avoir un, je suis au bout. Mais c'est ça. Donc, on se part tantôt. Puis moi, je vais aller relaxer dans mon petit bain.
pour aller me coucher, puis j'ai réalisé que je voulais vous dire un petit bye-bye. Oh my god, ça a tellement fait du bien mon bain. Puis c'est la première fois que j'utilisais ma mousse de... ma mousse de bain là, de Maison Lavande. Celle de Lavande, ça n'a aucun sens. Ça sent la forêt fraîche douce. Je sais pas comment le dire d'autre. Mais oh mon dieu, c'était plaisant. Puis j'arrive... J'avais sorti mon livre SOS Père Noël ou quelque chose comme ça. Mais j'ai réalisé qu'il me restait ça à lire de couple en thérapie durant la pandémie. Puis là, je suis en train de le finir. C'est beaucoup trop bon. Mais c'est ça, tant que je voulais juste vous dire un petit bye-bye. Puis vous remercier d'avoir été avec moi pour ce petit vlog très calme et probablement très court. Et c'est ça. Donc, je voulais vous apporter avec moi aujourd'hui, même si je faisais pas du parachute. Hein. On va être ensemble tout le mois de décembre. Donc, on va voir. On va faire des belles petites choses intéressantes et des petites choses plus calmes. Donc, demain, ça va probablement être une journée pas mal comme aujourd'hui. Puis, j'ai hâte de vous retrouver pour le prochain vlogmas, mais demain dans le fond. C'est quand même pareil quand on y pense. Tu sais, je vous dis bye, mais genre on se revoit comme pas longtemps après. Là. Mais ouais, donc là mon bébé est dans la douche, puis après on va écouter District. Donc moi je vous dis un gros merci et à demain!